Ma nature, mon futur, l'agriculture, ça prouve bien que l'agriculture n'est pas morte, bien au contraire. Moi, je suis optimiste pour l'avenir des agriculteurs, on a encore de beaux jours devant nous. Il faudra toujours nourrir la planète. Oui, il y a de plus en plus d'êtres humains, donc il faudra les nourrir. Moi, je suis optimiste. La nature, elle est créée par les agriculteurs. Il y a des herbages, il y a du blé, il y a du maïs. On entretient la nature. Tout à fait. On entretient la nature. Et... Bon, les jeunes, chez nous, en Flandre, je pense qu'il y a de la relève quand même. Et nous, il y a une très grande motivation de nos jeunes. Après, je dirais aussi, c'est les parents qui ont l'initiative d'installer leurs jeunes. On est un département avec des petites exploitations agricoles. Mais allez, des agriculteurs dynamiques, des agriculteurs compétents, un bon terroir, des terres riches, un climat favorable quand même. Donc c'est un atout quand même et on a une production très, très variée. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus un agriculteur qui fait que de la céréale. Voilà. Tout le monde a une spécificité, soit de la vente directe, soit de l'énergie renouvelable, soit de l'accueil à la ferme. Mais on va aller de plus en plus vers une agriculture de groupe. Et aussi, je pense qu'un agriculteur aujourd'hui, dans sa carrière, il ne fera pas toujours la même production. Il devra s'adapter aux productions qui vont arriver ou qui vont de nouvelles productions, surtout avec le climat qui est en train de changer. Je vois chez nous, on va commencer à mettre un peu de vigne. Ça, il faut être clair.